Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Na lingito sala acte moko ya kondima na tonga lelo. Alléluia. Omoni loko zana ngopo sawana. Omoni loko zo zela nzamba dao Samuel apesa yowana. Oebitango ko simba yango. Fason zo bete la Yesu maboko lo lengwa na bako bete lo maboko. Na lobi fason zo bete la Yesu masia maboko. Lo lenge wana tango ko simba yango. Tango ko mona yango. Tango zo kota. Tango zo tambo la likolo atapi rouge wana. Lolenge wana ne ba robete la nzamba dayo maboko par toi. In Jesus name. Nazo imagine mukolo wana ndenge anu wana zakio sepela. Tango Yesu amataki likolo nae. Est-ce que Yesu mutatambula likolo maputa? Nani anataki maputa? Alléluia. Est-ce que kokola sa voisin nande ba bete la Yesu maboko makasi? Ndima Yesu Masia matalikolo na yo. Le temps de témoignage. Tope sinza me merci pour na souffle de vie. Tope sinza mwala merci pour a orienta pe a canalisa ma kolona biso na temple a signe prodige. Et tope si papa d'ailleurs merci parce qu'a permettre biso tote le malibosso na bino tobe te leso ma boko makasi.
Nous rendons gloire à Dieu pour le souffle de vie ce matin. Et parce qu'il a canalisé et orienté nos pieds en ces lieux. Et nous disons merci à Papa Dayo parce qu'il nous a permis de passer devant vous. Rapidement, nous allons se joindre à Bango. Nous appelons Maman Rachel, Maman Rachel, Maman Rachmoud, voilà. Nengazo ya betela esomasi ya maboko makasi. Tobengi Maman Bea Basua, Maman Bea, na mwa lombango s'il vous plaît, Maman Bea, nengazo ya betela esomasi ya maboko makasi. Tobengi Papa Benjamin Mobuta, Papa Benjamin na mwa lombango. Nengeye pazo ya betela esu maboko makasi. Upika mikono. Tutabikashi. Betela esu maboko. Mama Filo Lungiema. Yepe nengazo ya to beteli esu masia maboko makasi. Sœur Marlène Kabong. Sœur Marlène Kabongo, Maman Mado Kavuya, Sœur Marlène Ngole, na Maman Lili Matiko. Na moi Lombango s'il vous plaît. Par ici, Maman Télémenaboué. Voilà. Maman Mado Kavuya, Sœur Marlène Ngole, Maman Lili Matiko. Bandeko bazoya betela esumasi ya maboko makasi. Sokozana témoignage okena sima la série continue ya ba témoignage. S'il vous plaît maman. Voilà. Ndeko merveille le sembe. Ndeko botuli le vieux. Nandeko glodi Lialila. Bapesinza Mado Samuel, merci parce que bakisi une année de plus na vie na bango betela esomasi ya maboko makasi. Nos bien-aimés cités si présents remercient le Seigneur pour un an de plus dans leur vie. Mama Kati apesinza Mado Samuel, merci pour le compte de sa sœur qui est au Canada. Sa sœur au Canada attendait famille et Bassane qui est fort, maman a parti à Kinshasa, à la région de au Canada. Et quand elle est arrivée là-bas, maman qui a un instrument, a dit qu'il y a un mystère du royaume qui doit prendre en ce lieu. Et bouteille, oui, donc ça, il y a une bouteille, il y a une photo de l'ambassadeur d'Ao Samuel. Alors, tant qu'on a commis dans Okuna, Kokoma zokoma ndeko na bango kuna sali fausse couche et créer flamme na Canada. Omemi babilo kona bino Afrique. Omemi makambo oye awa ebo. Pas sorcellerie babilo nyo so balobi. Et ko sala que maman babenga ni même place ko fanda na bandeko. A comme qu'on fait la place Moussous. Mais le Dieu de Dao Samuel est fidèle. Maman parle bien à Rosong, à Tengai, à Wane, comme Nanati Makolo, il faut la Xabaro, que Nzamba Dao Samuel, à Zanzamba qui parle à la frontière. Et pendant que maman était là-bas, même Kolial, maman le bien, Bazar Oti, qu'il n'est même pas bilan à Kolial, place à Fanda qui est tout dans le centre. Et donc, coupure totale. Et comme ça, là que. Moi, nakuna azusu suzemi. Et cette fois-ci, tant que zemi et coli, les médecins ont constaté qu'il faut kakabotana césarienne. C'est à ce moment-là que ndeko aeko au moins la sous maman. Non, maman limbisangai, maman boy, des maman joue avec les mêmes instruments à zongi nango. Alors binzamba de Samuel. La kisi ya soni ze kaya pa Yesu Masia. Alléluia. Pour ce qu'on malaria, fièvre, ou na pharmacie, ou ki ni nos yubwe, mais soni nanya ou l'on l'ok. Ce qui nous a embêté. Et maman, quand elle est rentrée avec le mystère, elle a dit la fongoli, na wendreye, li boumwe, tout ça, na sali déclaration, puis na lobi, okobota na césarienne te.
okobota na voix basse. Nous ne sommes pas contre la césarienne, non. Mais qu'il te soit fait selon, tu as cru. Et après prière, wana, discours à ma médecin qui a changé, à okobota, normalement, moi, la mobali, et à cause d'intervention de Zambada Samuel, et que ça, là, que moi, na wana, ma PC combo à Samuel. Fête na Canada, milo le betami na Canada, ba sengi bolimbi si na mama, bolimbi si na famille, bolimbi si pe, et pas apôtre du surnaturel. Parce que le Dieu de Dan Samuel s'est manifesté et il se manifestera encore. Voilà pourquoi Tini témoignage, Bethélé Soumassi Amaboko Makassi. Notre maman Cathy vient rendre témoignage à Dieu pour le compte de sa sœur. Elle dit que sa maman était ici avec elle à Kin et sa sœur qui est au Canada a décidé de la faire venir là-bas. Et notre maman est allée au Canada, elle avait sa bouteille d'huile d'onction qui est la photo de l'homme de Dieu. Notre sœur au Canada était enceinte et quand notre maman est arrivée, elle a fait une fausse couche. Cela a causé beaucoup de problèmes au niveau de la famille jusqu'à ce que notre maman ait été chassée. Là où elle était coupée de tous, aucune communication. Après quelques temps après, notre sœur est tombée enceinte, elle est retournée voir sa maman en demandant pardon et sa maman a pris l'huile d'onction qu'elle avait emmenée d'ici Kinshasa. Elle a oint d'huile le ventre de sa fille. Elle a fait de fortes déclarations disant « Tu ne vas pas accoucher par césarienne, mais par voie basse. » Il en est fait ainsi, elle a accouché par voie basse. Un joli garçon, voilà pourquoi elle est très reconnaissante à Dieu et rend son témoignage. Bethélé Soumassi Amaboko Makassi. Maman Rachel, merci. Avant de passer témoignage, a précisé que Alalaki et Nando Tobazo, Bazo Lobelae, pourquoi Nzambazo ça là, tu n'arrives pas, tu ne vas pas témoigner. Alléluia. Et Yaronde et Sali que maman aille à Kotatola. Et les deux témoignages, ils ont pratiquement lié Naba fils de Kayen. Yaliboso, parce que Alobi, Aza parmi Ba Obako Makaawa avant et Afanarana Barumbu, je crois. Et Ba Kote Kuna, Alobi Kuluna, Nandenga Mukete. Yaliboso, c'est un dimanche. Albi abimi nanzela po azela transport taxi zoya te moto te mutumo kote mais maman albi je me rends compte que en face de moi j'ai pu compter le nombre de ma fils de Kayen bazaki 9 en face nangai de l'autre côté avenue et maman albi bazo bazala ba machette bazo aiguisé en haut déjà nanzela swing swing oh. Moko kuta bengi maman maman ko banga te Tozo kati sa tozo yakuna. Maman le bien a tali à gauche, na tali mouto. Maman ko cinquième tete. Tozo ya. Mais avant to ya, bazo egize na no swing, swing. Tala na simakil tali lo o egize mbele zo zongi la e. Na oki ameno mala mouti. Et maman le bien amoni pe bien tu. Tango babani ko sala mvo po bakati sa place nazala ki alobi na roke na gauche to a droite pour nzela mutute yo pe nini munene mbangute mama sala sport sota kata na corde atanzango mama alobi a telemi na kangika ka misu Nzamba dao Samuel nazo ke ne place a buzo ba akangi ka kaboye alobi a comprendre te ayo kimbala moko mutumo abenge mama mataka ka to ke ne ko discuter sima atala boye un taxi liboso nae porter a se mefungwa mi mama koti na kati oye longate betela Yesu masema boko makasi. Notre maman Rachel vient rendre gloire à Dieu. Son premier témoignage, elle dit qu'elle dormait pendant une nuit, elle a entendu une voix lui dire clairement « Pourquoi Dieu fait des choses dans ta vie et tu ne témoignes pas ?» Elle dit qu'elle est parmi les premières personnes à arriver en ces lieux. Elle habite à Barumbu et elle est sortie pour prendre son taxi tôt le matin. Et en face de la rue, il y avait 9 fils de Kayen qui étaient en train de déguiser leur machette sur le macadam. Et ils lui ont dit « Maman, ne t'inquiète pas, nous venons vers toi. » Elle ne savait pas par où aller, ni à gauche ni à droite parce qu'elle est forte de masse. Lorsqu'elle a fermé ses yeux, elle a commencé à intercéder en disant « Je ne vais pas où il y a de la bêtise et je ne vais pas faire n'importe quoi. » Elle a vu un taxi venir devant elle, lui a dit « Maman, monte, nous allons discuter après. » Lorsqu'elle est montée, elle a été épargnée. Voilà pourquoi notre maman est très reconnaissante à Dieu. Bethélé Soumassi Amaboko Makassi.
Deuxième témoignage, Alobi, c'est aussi un autre dimanche, maman. Tant que Bimi, taxi, j'étais à Zumoto. Nous avons un motarwana à sa délégué. C'est-à-dire, comme il y a un moto, il y a un moto, motard. Parce que maman, au lieu de qu'il y ait un moto, soit boyeto, baluka boyeto, qu'il y ait moins rapidement, ton côté, nous avons un banzela, ce côté, sa maman, et sa banzela, côté, ma mandataire, n'est pas allé. Maman, le bien, tu commis quelque part, n'a pas eu de mort à Bimelinga, la Sima, Kanginga, la Kingo. Ou ya Kanginga, la Lokolo, pas comme au Benanga. Maman, pas Simiga, la Sak. Mais maman, le bien, c'était pas moi, parce qu'il y a ce reconnaître, t'es. Albi le beaucoup en effet le beaucoup à Angelo. Pendant qu'Azo se débattre le beaucoup qui est Simbi n'a habité ceux qui peuvent pas les na Erni ceux qui nin. Albi tant qu'Azo Simba est qu'on a à sentir et l'homme il tient éclaté dans le beaucoup naï. Il est libre. Mouton en bamboko. Eh maman abomingaï. Tant qu'Albi maman abomingaï bakouei na mai. Il y avait un bain moro, il y a salité, place en bakoué na katuana. Tant bakoué, azo mona moussousou, azo ou tana marché, ya zikita. Azo yana machette, pour yaro kata maman le bourreau, parce que maman zangina sac. Maman lobi, ayoke loko moro lobi lâche sac. Tant à lâche sac, bawana bazui sac, ba lobi totika, assez apesibiso sac tokendi. Et batoubaye ko bima après. Maman lobi, tant abimi, elle était déjà trempée. Ne a bengi motar mso albi non ya katoke ne po ifona zonga nda kuna se changer parce na ko raté culte té parce na zonga na bataki ya boy na tongo c'est que na li bénédiction na na culte je ne peux pas rater ça et pendant qu'a matin na moto anya ke ne misu etali na ba mayona amone do mo ezo couler na mayona po batupe ba bimaki otoyo ki kole la mama me place o ye ba raté ke ntela héros ba le kakawati même maloba mosa kolisa ya solo. Papa lobi okobungi selo komorote. Mama lobi atali na kati ya mai amoni selo komoko zo flotter atala bi boy. Oh, mais au sac na ngait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Batwana bazui sac bakei. Wana kuna keso kasa na bomo iso le loto ebite. Mais akena sac mama moni sac na kati ya mai akiti a récupérer sac na atali na kati deux téléphones. Biloko nyonso so ba toucher elo komoko. Dans la nasimakute, elle l'a pas retouché sous centaine à hauteur. Bah tout bas comme il commet tout na, mais basui sac, nini ba moni, nini ba kute na ango, bah tiki sac intact et l'eau comme on va toucher te. Bah tout une maman au sambe la ka, dans la okozala panneau à publicité. Et voilà pourquoi notre maman a écopé santa madame merci pour na oasali pour nae, betela sur ma sema beaucoup makasi. Pour son second témoignage, maman Rachel rend gloire à Dieu. Elle dit, le dimanche passé, pendant qu'elle revenait, elle se rendait au culte. Elle a vu un motard, elle a stoppé un motard lui disant, maman, je vais te conduire où tu vas. Et le motard lui a dit, maman, nous allons prendre certains raccourcis pour arriver plus tôt. Elle ne savait pas que c'était des bandits à main armée qui avaient un groupe qui attendait quelque part. Et lorsqu'ils étaient en train de se rendre sur le chemin, elle a vu un groupe de personnes sortir et là, elle a commencé à l'étrangler. Pendant la débandade, elle a senti une voix lui dire, maman, lâche ton sac. Et elle a touché quelque part où ça a éclaté. Elle a touché un membre de ce groupe et quelque chose a éclaté entre ses mains. Et l'un d'eux a dit, maman nous a tués. Et lorsque elle est tombée sur une flaque d'eau, elle a décidé de se ressaisir et de prendre une autre moto. Pendant qu'elle voulait prendre une autre moto et qu'elle montait, elle dit, je ne veux pas rater ce culte parce que si telle chose m'arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Et lorsqu'elle a décidé de monter sur la moto, en regardant à gauche, là où son sac était tombé, elle a vu sur la flaque son sac en train de flotter. Elle a ramassé son sac, tout était intact, ses deux téléphones. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante parce que Dieu l'a épargnée de ce grand danger. Voilà pourquoi elle vient rendre. Betela et Soumassia Maboko Makassi. Maman Béa, voilà un mois à Zanabiso et à mon qui adresse Awa au travers la télévision. A Outaki Kisangani, et quand elle est rentrée, maman Azaki n'a pas douleur généralisée. Pas si nous autres moubimba. Alors bien, ce qui a fandi longtemps, tant qu'on retélema, il faut qu'on akouya. Et le kouana, il y a maladie, il y a traitement. Et c'est comme ça que quand elle est arrivée à Liziba, elle a commencé à sentir
tenir normal. Et sa délivrance, pratiquement, a devoir en haut na culte il y a nuit de jugement. Alobi na betrano yesumasi ama boko makasi pour la programme. Alobi na nuit de jugement afan aki butu mobimba. Et tant wa telemi azongi ti epai nae akweite. Et aiko constater pe musapi wapi mama. Musapi oyo ezala ki toujours ya rotelema un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre Misap Misusute. Mais à l'objet, juste dans la nuit de jugement, tant on va se sentir pratiquement déchargé dans la lourdeur, on va dire qu'il y a une maladie. On va dire qu'il y a normal. Maman, le bien, on va dire qu'il y a un savoubou. On va dire qu'il y a un savoubou. Et là, on va dire qu'il y a un à cause d'un temps, c'est que tu dis, maman, est-ce que papa de la Simba qui a le papa de la Simba? Mais justement, le bazar obim ça, na kangolami. Maman le bina koti kala boite, ayoko pesa nzambe merci. Betela esomasia, maboko makasi. Maman Béa vient rendre gloire à Dieu pour la guérison surnaturelle dans sa vie. Elle dit qu'elle fait à peine un mois en ces lieux et elle vient de Kisangani. Sa délivrance est liée à la nuit de jugement passé. Elle dit qu'elle avait des douleurs généralisées au point qu'elle n'arrivait pas à se mettre debout. Elle sentait un déséquilibre et tombait chaque fois. Et lorsqu'elle est venue en ces lieux, la nuit de jugement, elle a décidé de se mettre debout et de prier debout. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a décidé de rentrer de chez elle jusqu'à Kasavubu à pied. Et en rentrant, elle a constaté que cette douleur généralisée ainsi qu'une douleur qu'elle avait au niveau de son doigt était complètement partie. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante et vient rendre son témoignage. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et sa parole les fit sortir du tombeau. Natonga le lo kango l'ami déjà. Po yen esika onanenga li lobe kobima, quelque chose va se passer. Depuis 2013, Mama Philo alobi azaki na ba règle douloureuse. Soit 6 ans de cela. Akena bopito ya ndenge na ndenge, ameli ba kisi ya ndenge na ndenge. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais suite est athée. Il a fallu attendre un jour. Alléluia. Parole de connaissance en plein culte. Alobi papa précisé. Alobi maman mokozawa. Osal ba problème ba règle douloureuse. Je t'informe qu'au kangolami. Mama yambiango. Alobi azongi nandaku. Akutana lipambola ba maman sans douleur conformément à maloba mosali nzambe. Et depuis lors, elle est guérie complètement. Et voilà pourquoi Alobi akofa na beauté ayoko pesa nzambe merci pour la parole de connaissance wana betela esomasi amaboko makasi. Notre maman est très reconnaissante. Elle dit qu'elle avait des règles douloureuses chaque fois qu'elle était pendant ces périodes. Et l'un de nos cultes, l'homme de Dieu a fait sortir une parole exactement liée à son problème, disant « Il y a une maman en ces lieux qui a des fortes douleurs, des règles, Dieu l'a délivrée. » Il en est fait conformément à cela. Lorsqu'elle a revu ses règles, c'était calmement, sans douleur. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante. Vous savez, pendant que tu as un témoignage à papa, il a dit qu'il manque de mots. Comment dire merci à ces dieux-là? Na futimbongote, na salie lokomorote, mais na kangolami, na elokomoko oyo, soki nzambete. Papa, l'accent non. Qui je s'accepte n'a qu'on l'a qui ça pour mon qui lit et mon accueil un dieu quelque part le baiser ma connaissance balai est-ce que pendant qu'aux autres à la image est-ce que qu'on bête la somatia ma beaucoup ma casse Mbasu makolo nyoso mibale. Et alobi, comment remercier la maman oyo bafana rana venu moko ba ebanite amona ki papa zo souffrir. Maman wana aye papa lobi na zoko kako lalate. Mais maman wana tango ayoki amoni apesa nga awendrenga jour ayaki na ndaku. Tango awendrenga nde jour wana na lali kimia. Ndene bisi maman na bi maman omoni tango pakola nga mafuta wana ndena lalaki maman le bi soki boye yaka na lisi ba le bi c'était un samedi ay bi c'est dimanche na kwa ko zoyo na memwe pa maître
Est-ce que Kobet la Yesu Masia ma boko makasi? Mutumo atuni pourquoi bo ben ake maître? Tu le bito ben ake maître parce qu'il a la maîtrise ya makambwa. Alléluia. Mbasu makolino somi balé etangwaye. Alobi jour wana na lata ki chemise a pembe borola na ona sa marche. Alobi na ye awa papa e bisingai chama kolona cher wana. As you will d'onction a wendre ngai. Alobi tango papa wendre na kwei. J'ai fait à peu près 5 minutes. Je crois que ça n'a pas 5 minutes. Et tant que nous avons zongi, nous avons dit que nous avons moko à l'obi. Au kangolami. Tala na tonga lelo parole robi meza pona yo. Et ndenge papa lobi na mi na zongi na ndaku. Pendant que nous avons ma na sombi photo. Pour nous avons ba témoignage ba photo. Parce que je n'ai que un mois ici. A l'obi a sombi photo. Il y a papa, azongi na ngonandaku. Soki asambeli alali, asambeli achangona mbasuana. Alobi etobo kite, opotate, me ekomi kokauka yango moko. Nalobi nazako kokolata chaussure boete. Me voilà une semaine, ba ange ba kota ki en action, ba kausi mbasuana. Tala, na tonga lelo, eloko lingi omona ngote omona ngoli susute. Endengaza alobina pesa nzambo na mnini. Merci kaka. Est-ce que kola sa voisin na yo ndenge ba betela ka Yesu Masia. Tala resultat alati le loketch betela Yesu Masia maboko makasi. Notre papa vient rendre gloire à Dieu, il dit qu'il n'a que un mois en ces lieux. Il habite quelque part sur la même avenue qu'un de nos membres de cette église. Et ému de compassion, parce que notre papa souffrait, il avait des ulcères sur ses deux pieds. Et la maman lui a oint lui disant que tu seras guéri à partir de cela. Et lorsqu'on l'a oint d'huile, il a dormi calmement parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et le lendemain, il est allé voir notre maman lui disant, « Ce que tu m'as mis sur mes pieds a permis que je puisse dormir. Et je veux aller là où tu pries. » Et non, c'était un certain samedi. Notre maman a décidé de venir avec lui le dimanche. Et pendant que l'homme de Dieu faisait des fortes déclarations, il était ici devant. L'homme de Dieu l'a demandé de poser ses plantes de pieds sous la chair. Et lorsqu'il est tombé en se relevant, l'homme de Dieu lui a dit, « Tu es guéri. » Il a retenu cette parole. Et en sortant d'ici, il s'est muni d'une photo de l'homme de Dieu avec laquelle il priait chaque nuit et la mettait sur ses deux ulcères. Après quelques temps, cet ulcère a commencé à sécher. Voilà pourquoi il est très reconnaissant pour la guérison surnaturelle. Betela Yesu Masia maboko makasi. Sœur Marlène a écopé sans ambadeur Samuel, merci. Et ça le mêlé dans la nuit de jugement. A l'obi, a zui ba douleur subite, y a estomac. Et comme est-ce que c'est une fièvre? C'est-à-dire, elle est pratiquement mal à l'aise dans le programme. Mais après, si nous me merci, parce que juste ton papa a imposé le boko sur place, malade en est disparaître. Il a été restauré totalement. Voilà pourquoi nous avons fait nous merci pour la service. Nous avons fait un bétélé, somassiam, boko makas. La sœur Marlène est très reconnaissante à Dieu. Elle dit, pendant la nuit de jugement, pendant qu'elle est en train de faire son service, elle a eu de fortes brûlures d'estomac. Et après l'imposition de l'homme de Dieu, ça s'est calmé. La douleur est complètement partie. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante. Douleur lombaire, 2 ans après opération chirurgicale, maman Akutana Kinango. Azana département a témoigné. Il y a nettoyage. Maman Lobi, pendant qu'elle passait son témoignage, Lobi Nazarana quitte Moko Natia la chambre. Quitte Yana. Papa d'ailleurs. Ah, maman, tu sais quoi ça, Blu Abi, non, mais qui t'es Zali, qui t'es Zali? Oyo, Mbeto, qui t'es Nate Awa. Nasolarana papa d'ailleurs, chaque nuit avant Nala. Quel condiment! Est-ce que tu as un elle posait son problème à Zoloba, parce qu'elle a une douleur, Wana. Il y a mon Congo. Et puis, il y a un problème, il y a ma Kila. Mais après, si nous avons merci, jour, papa d'ailleurs, qu'on visitait le département de nettoyage, bah, intention, bah, prière, il y a exaucé ce jour-là. Non seulement, papa, tant qu'on a Simba qui maman, dans le service, c'est ça, maki, mais on le dit, papa, c'est ma parole de connaissance ce jour-là. Osa, ah, osa un problème à mon Congo, posa un problème à ma Kila.
maman comprendre que ma message après ça est là solo. Et depuis ce jour-là, Tilelo, elle est complètement guérie. Aza reconnaissante nango, betela esomasia maboko makasi. Notre maman vient rendre gloire à Dieu pour la guérison surnaturelle dans sa vie. Elle dit qu'après une opération, elle avait de douleurs lombaires pendant 2 ans et elle souffrait de cela. Elle dit qu'à son chevet de son lit, elle a placé une chaise avec laquelle elle parle avec l'homme de Dieu par la foi. Et elle est au service de nettoyage. L'homme de Dieu avait décidé d'aller visiter ce service. Et pendant qu'il était en train de visiter le service, il a fait sortir une parole de connaissance disant qu'il y a une maman qui a un problème de sang et un problème de lié au lombaire. Et après l'imposition de l'homme de Dieu, elle a été complètement guérie. Depuis ce jour jusqu'à présent, cette douleur a complètement disparu. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante. Betela esumasi amaboko makasi. C'est-à-dire, ma série, ma témoignage, ma série, c'est lié à programme à nuit de jugement. Maman, pas écopé ça, nous avons merci. Depuis le 30 janvier, à Zalegna, ma brûlure, ma pote, ma brûlure, mon con à Liboumou, Tina Moukongonaï. Et elle n'arrivait même pas, il y a qu'au Simba, au Zalegna Moukongo. Et à l'obi, pendant le programme à nuit de jugement, papa a mis une parole de connaissance à l'obi, maman, mon cousin, la pote à Moukongo. Et au tchaka même le boko et au kakoko maté. Maman lui dit, mais où est-ce que tu as dit 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 que. Et c'était exact. Et maman lui dit, pratiquement, même si tu as dit que tu as dit que tu as brûlure que partout. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a constaté que ma brûlure est kaouki, pote kaouki, douleur est disparaître conformément à ma mousse en Zambé. Voilà pourquoi maman. Notre maman est très reconnaissante. Elle dit qu'elle avait des fortes douleurs à partir de son ventre, traversant le dos, et des brûlures au point qu'elle n'arrivait même pas à atteindre à partir de ses mains. Et l'un de nos cultes, l'homme de Dieu, a fait sortir des paroles concernant son problème. Après cela, cette brûlure avait complètement séché. Voilà pourquoi elle est très reconnaissante. Nous avons ici un bon de laboratoire. Polygomex, Lasiomanche, Spaspam, Nyon Suza Awa. Mais tout ça n'est si qu'à malam. Il y a un Jova Rafa ici. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit? Depuis 2004, la sœur Marlène souffrait parce que Ezaki est qui déjà où elle souffra na ba problème moko ya ba écoulement bizarre na nzoto nae. Est-ce qu'on peut trouver un papier mouchoir parce qu'elle est en train de pleurer? Sorozomo na Moutaleki. Est-ce que Kobet la soumation ma boko makas? Depuis 2004 et tozana 2019. 15 ans. Alobi banda kezo sala neti te, mais ça fait un bout de temps où écoulement n'est qu'aux vitesse à croisière, mon quoi impossible. Au point où même les gens qui venaient vers elle, bah comment ils ont évité parce qu'ils ont dégagé solo. Attaché parfum. Mais il a fallu attendre la nuit de jugement. Bethel Somasia Maboko Makas. À l'obi à quel hôpital? A salisi be examen ya ndenge na ndenge po ba yeba origine loko wana. Ta la ba source msusu na ba médecine naturelle loko yeba yangote. Ils sont allés voir le prophète de Dieu po na koyebi se que l'emplacement de la ville est bonne. Mais les eaux sont mauvaises. Source za wapi. Po bango moko ba komaki na souka. Ba yeba kite, mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que les eaux sont mauvaises? Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Et Bible le dit,
Ils sont allés voir, elle est allée voir des médecins. Basali examen nyoso. Oh, il fallait qu'il basala. Mais suite, Isaïe Karate. Ça s'empirait au nom de Jésus. Admettons ce qu'on soit avec une nuit de jugement. Il y a un jour à la manifestation, il y a des jours où il y a des fêtes, des jours où il y a des restaurants. Bon, ceux qui y a quitté. Et tous awa ensemble, tu as des paroles de connaissance avec précision. Et le bin de comment quoi moi c'est ça awa, aux ans des coulements bizarres. Et je sais la même que mi bali bazo kima. C'est exactement sa vie. Alors bin tant ou papa le bin de quoi na télémi, na ken na toilette, na vérifier na constater que l'eau quoi ne katani. Mais le bin a raison à boité, na ken na ndaku, na fin de ti dimanche. Tala, natonga le loko bima lolengo kote awate. La sœur a constaté que ben kuluma bitala natonga le lo moli momoko to mili momoko et roto sa moli momoko. Alobi l'esprit derrière cet écoulement na wende muzuri. Depuis ce jour-là, ti lelo le Dieu de Dan Samuel m'a complètement guéri. Voilà pourquoi à sa reconnaissance, a ekopé santa merci. Betela esumasia maboko makasi. La sœur Marlène vient remercier le Seigneur. Elle dit son témoignage est lié à la nuit de jugement. Elle dit depuis 2004 jusqu'à la nuit de jugement, elle avait des sécrétions bizarres qui produisaient même des odeurs nauséabondes au point que toute personne qui s'approchait d'elle ne pouvait rester pendant plus longtemps à cause de cette odeur. Et elle a décidé de venir à notre nuit de jugement. L'homme de Dieu a fait sortir des paroles exactement liées à son problème, disant qu'il y a une dame en ces lieux qui a des sécrétions bizarres au point que les hommes sont en train de la fuir. Elle s'est levée, elle a pris cette parole-là avec foi, elle s'est levée, est allée aux toilettes à vérifier cette l'écoulement avait complètement cessé et voilà pourquoi elle vient aujourd'hui rendre son témoignage pour cette guérison surnaturelle. Maman Jaibet Kibambula, frère Dieu merci Balita, frère Jackson le millionnaire, sœur Sarah Pemba et frère Ekofo Dominique. Tout ça là, mbambou boya liboso. La bandeli maman Jaibet Kibambula, Yakambangu, et frère Jackson le millionnaire, frère Dieu merci Balita, la sœur Sarah Pemba et le frère Ekofo Dominique. Boya liboso. Et dans un peu témoignage, il y a maman Nabiso Lucienne et de Nzele. Mais maman a évoqué sa nzamba dans ce moment, merci. Maman a été reconnaissant pour la parole de connaissance et bimaki na culte na biso. Na nuit de jugement, il y a mois de janvier. L'homme de sa marche, dans le programme de Komana Souka, l'homme de sa marche a bimisa ki maloba. Alobi, kendenge bo zo kende, bo rokouta na ba source, ya ba bénédiction na bino, pe ba ropambo la bino. Maman a biso aide ayambi maloba wana. Maman le bitan a zongi nandaku, a lali a la mugana tongo, relation moko e bengye bakutana. Alors a kei bakutani na rendez-vous, a lobi kaka bongo, a senga ki e lokote, a senga ki e mbongote, mais relation abimisi Valère ya $800 a jui akabeli maman abiso na maboko. Maman le bitan moya bomba témoignage a bongote parce que nzamba da Samuel nde a sali yango na nzela ya parole de connaissance. Merci. Notre maman Lisette est très reconnaissante au Dieu de cette commission, car dans notre nuit de jugement du mois de janvier vers la fin, l'homme de Dieu avait sorti une parole disant que tu es là, tu vas recevoir un appel et par cet appel tu seras béni. Et quand notre maman est rentrée chez elle, le matin elle a reçu un appel, l'un de ses connaissances l'appelant disant « Viens, j'ai besoin de toi ». Et quand ils se sont rencontrés, leur rencontre était vraiment payante car ces derniers avaient sorti une somme d'argent en valeur de $800 et notre maman était dans la joie. Voilà pourquoi elle nous renvoie son témoignage. Frère Nabisopé, Dieu merci. Balita ego pesan zambe yadeo Samuel merci pour la délivrance et salamina vinae. Le frère alobi ye na domaine ya makambo ya église etaliete parce que ye asambe la raté. Abo abanako sambe la te.
et alobi na année passée grande sœur na ye assemblée na biso awa alors grande sœur na ye invita ka ye po ya na liziba ya boya ka ko ya liziba na ndenge moko ezala raté alors jour moko grande sœur a créé système moko boye a bisé toko tikanga quelque part pour que ça ait l'oro moko boye alors petit frère accompagné grande sœur ba ke na ye alors a monara subitement ba komi liboso ya église ba okota moi ba boya ezate pour basi ba komi na liziba les frères côté na kata liziba mais azo lela azo boudé na mutema abiba ole ki sanga temps pour rien et au sa ninya ya gina kit na biso dimanche alors les frères le bitamu ba koti na kata liziba ba fandi et l'homme de sa marche a matin a cher a bandi côté les frères le biba jaka ban cinéma wana yoka ki jourwana alors bina na yoka biloko a bonguti abi bazo enseigner biloko moko na vie na yena na yokate abi zo kota tout droit na mutema ndenga za awa aza mutu oyo aza jamo na frère wana ya nuit de jugement yi pa ma kasi na alcool ma kasi kote wana na cigarette champion sa na domaine na vie mokili yi pa fandi wana mais tango yo ki ba enseignement ya jour wana ba enseignement kotiye transformation mbala moko esalami le frère le bitangu na bimi na zongi ngamoko na bani komi funda c'est nazo kaliti na mi funda jaya vina menaka ngamoko na komi funda abi na zongi na nda ku changement bani kokota na vina ngai et loko moko moko na komi kotika na tiki cigarette na tiki via masanga na tiki via ba chéri na changer et na kama konare kangami na kati ya liziba alobi moya bomba témoignage ya bongote yango ayeko pesa nzambe ya dayo Samuel merci to medeliza be wana maboko makasi beta maboko makasi za témoignage ya munene notre frère vient dire merci à Dieu car auparavant il ne priait pas et elle a sa sœur qui est l'une des nôtres dans cette commission et cette dernière l'invitait toutefois de venir communier avec nous mais notre frère était catégorique il disait niet je ne viens pas et un certain dimanche sa sœur a joué de la sagesse en disant viens m'accompagner quelque part et quand notre frère était saisi de cet appel il accompagnait sa sœur et soudain ils se sont retrouvés devant la porte de l'église. Et quand ils étaient devant la porte, notre frère était vraiment découragé. Il se disait, comment tu peux me faire une telle chose? Et quand ils s'étaient entrés, pendant la prédication, l'homme de Dieu avait enseigné, avait sorti la connaissance qui avait bousillé la foi de notre frère. Et il était tellement interpellé de cela. Et quand il a quitté la présence de Dieu, dès qu'il rentrait chez eux, en lui, il se sentait vraiment convaincu et il se culpabilisait de son ancienne vie. Et quand il est reparti, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il a réglé sa vie. Il a dit non à tout ce qu'il faisait autrefois. Et voilà pourquoi il est là pour dire aux anciens. Deuxième témoignage, naïe, Azolo Beza, ils ont concerné ma rambouya mystère, il y a téléphone. Na 2018, to vive ba mystère, il y a ndenge na ndenge. Oye, ça, ma rambouya église, monsieur Souté. Alors, l'homme de sa marche, na culte, na biso moko, a ici biso to tombo la ba téléphone, na biso l'icolo. Et la série, comme la série, il y a ba jarama kamwa ba téléphone. Alors, il n'y a pas tombo li téléphone, na l'icolo. Et l'homme de sa marche a sali ba forte déclaration le ba téléphone na biso les frères alobi boy alobi azana grand frère na yazana poto grand frère wana bengaka difficilement grand frère wana asunga kate grand frère akabaka pété akabako mais les frères alobi na kitu wana tangu l'homme de sa marche alobi to tombo la ba téléphone alobi a tombo li téléphone na ye et malobe bimi. Les frères à l'obi na zongi na ndako. Na lali na tongo boya mona téléphone na ye et sonné. Grand frère wana ya poto a bengi. A bandi ko betele ma solo ya elengi. Ma solo bonna ba beta kote ba mbalé. Mais ma solo moko ya espoir, ma solo ya bien et na suka. Grand frère a bisié zwa code. Code mona moko pesami. Les frères à l'obi grand frère mbalali boso na vie na ye. Ati na mbongo ebele o ati nela kiye. Alobi eza ya cause ya magambo esana maki na kitu wana. Po l'homme de sa manche abakito tombo la ba telephone.
et assembler pour nango et lingisi mutema ya mutumo kwaza quelque part et mutuana fungoli mutema a pamboli frère na biso na mbongo yango ndeko na biso yeko pesa nzambe adieu Samuel merci to beteli nzambe wana maboko makasi. Et notre frère pour son second témoignage il dit merci à Dieu car dans l'un de nos cultes l'homme de Dieu nous avait recommandé de brandir nos téléphones et il avait sorti de paroles de bénédiction sur chacun de nous. Et quand notre frère était rentré chez eux, le lendemain matin, ton frère qui réside en Europe, qui autrefois n'appelait pas, ne faisait pas signe de vie, lui avait appelé. Et ils avaient bien parlé et après cela, le frère avait remis un code et ce dernier était allé retirer cela. Et pour cette bénédiction, notre frère est très reconnaissant au Dieu de cette commission et il dit merci à Dieu. Maman a biso pe jaibet. Kibamula, Ayego Pesa Nzambe, Adel Samuel, merci pour la préservation surnaturelle. Zambewana a intervenu pour Nabango. Maman Lobi, Bauto le Kanabo, pression Mokoya Makasi na mois de janvier. Tant au côté janvier 2019, Ayego pression à Makasi, esprit de mort et tamboli na Katia Libota na Bango Makasi. Maman Lobi, tant au côté na janvier, Bananaye, Babandiko Bela. Alobi, Banane Soki Babeli. Malade n'est pas grave. Il faut dépenser ça. Il faut que je ne sois pas à l'hôpital. C'est-à-dire que maman a souffert dans le mois de janvier. Alors, maman a dit que je suis éloigné tellement trop. Et je suis tout le samedi afin de se plaindre. Je suis là. 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 Je Alali, la gina boutou, alali, tango alali azolota, nandoto wana, amoni ami na yemogwa si akoufa. Ami a belle sœur na ya si akoufa, abimelie na rêve, a ebisye. Oh, yo kati marambo esili, na luki bana na yo na zui bangote, na marambo esili de siko na ye skopa na yo, yo pe fo koufa. Na rêve wana basali, moi, ba échange salami. Mende gomwa si malamoko, Toana, notre katani, alamuki, asambeli. Après wana, malade bandi na vinaye. Malade pe grave. Alobi bake na ba hôpital, change mesate. Tension ezo mata, ernyonso. Ameli baki si change mesate. Maman abiso abi, oh, soki to tiki boye, na woya koufa. Parce que soko loti dje esprit de mouta, koufa, et de image esprit de mort. Maman abiso, a joué dans réflexe, a singi rendez-vous et pas l'homme de sa marche. A tiré du message et l'homme de sa marche a répondu dans le message. Na et maman a dit que a eu rendez-vous gratuit, ba singa ke logote, ou yé kara na message au ba pesio. A yé kipe na message na e, a lakisi, l'homme de sa marche a yambie famille mobimba. Maître, sa li ba forte déclaration du kolo ya maman, du kolo ya papa, du kolo ya bana, a sambeli. Arrêtez molimo ya liwa. Après wana esili mama lobi bazongi na ndaku. Tango akomi na ndaku mama elonga liboso a senti na vina ye. Maladi wana kotaki ekatani. Bandoto mabe ekatani. Azalaki soka zo tambo na nzela azo mwa zo tambo na ba présence. Alobi a senti ke ba présence wana ekeyi. A senti akomi libre, akomi pepele, azongeli makamu nyonso normal. Depuis ma compte qui rendez-vous dans maître, bana bazo bela li sous te, yé bazo bela li sous te, qui m'y est contre la katanda kuna bango, maman lobi moyen bomba témoignage à bongo te, yango zomona maman telemi awa, ayeko témoigne mounene ya zambe, ya dao Samuel, to mette elizambe wana mabongo makasi. Et notre sœur Jébet vient dire merci à Dieu, car durant le mois de janvier, elle avait connu l'oppression dans sa maison. Il y avait de maladies, il y avait des tourments. Et l'esprit de mort mouvait tellement dans sa famille. Et pour cela, notre maman, un certain samedi, la nuit, elle s'est posée des questions, elle s'est lamentée, disant, Seigneur, nous sommes dans notre année de jugement. Comment pareille chose peut subsister? Et quand elle est dormie, elle a rêvé l'une de leurs connaissances, qui était déjà morte il y a très longtemps, qui disait, voilà, je venais d'attaquer tes enfants et tout, je pars ici, mais cette fois-ci, je vais m'attaquer à toi jusqu'à stopper la vie. Et quand elle s'est réveillée, elle a prié, elle a fait de fortes déclarations, chassant toutes ces planifications sataniques. Mais quelques temps après, elle s'est tombée malade. Elle
a souffert pour cela. Elle a cherché par la médecine, mais il n'y avait pas de suite favorable. Jusqu'à ce qu'elle s'est résolue en elle, disant que je suis l'une de cette commission. Je dois demander une force supérieure à la mienne. Et pour cela, elle avait demandé rendez-vous de rencontrer l'homme de Dieu, l'ambassadeur Tayo Samuel. Et après juste leur rencontre, l'homme de Dieu avait sorti des paroles et il avait maudit tous les esprits qui étaient derrière ces écoulements néfastes. Et quand notre maman était repartie chez elle, toutes ces atrocités avaient complètement pris fin. Et aujourd'hui, elle est bien portante. Voilà pourquoi elle est venue dire merci à Dieu. Frère Nabisopé Jackson, les millionnaires. Aiko témoigné munene ya Zambe ya Tayo Samuel de faire le bien à des témoignages. Et un témoignage ya guérison. Frère Alobi depuis anyata makola na film plus de 5 ans yango a bela ka lisusuté. Alobi marba au hôpital à Kota Kati. Aibi su longi ya docteur té, aibi longi ya infirmier té. C'est-à-dire que même Tonga et Kota nakati na ekala à cause de ma colonie et niata na liziba nzambe wana azako batela yi. Mais alobi boye alobi na famille na bango ba pesa ka bango soki ba bon. C'est chaque année soki obeli ba pesa papier ba pesa yo soko obeli ke ne mbango na hôpital ou soit traitement au félé. C'est ba pesa ka bango eza ne bazana na famille na bango eza bongo. A ta fièvre, ok, ma on est hôpital. Mais il y a l'obi, il y a bandego ba kendaka. Il y a, kuna ba ye biyeti. A kota ka kuna même pas. Mais il fallait aya ko témoigne, ma gambo nzamba yo sala pona epona santé divine wana. Mais il y a témoigne te. Alors, donc continue, 2019, oyo, a l'obi, na comprendre te, va moko essoufflé, mbala moko ba fièvre malade bandi. Et tant que malade bandi, abandonné dans le mystère du royaume pour arrêter le koala. Mais Alobi a remarqué qu'ils ont continué toujours malade. Wana. Et Yepé, basa liga la même chose, ne basa la pas bande konaye, ba pesi Yepé, soi bon wana, soi papi wana, akende kuna na hôpital. Mais les frères, yobi banalizi, babaraba teti. C'est ba boyaka makambo, neti ka papa boyaka. Neti surtout côté malade. Frère Alobi n'a aucun été. N'a rosapé bon au pété. N'a la belle à kate. Alors le frère Afandi a yé na culte na biso awa. A se forcé a yé na culte na biso awa. Et n'a zela ba service et salamaki na culte wana. Asperçu et salami, tozali sen sen. Le frère Amélie a la mouté mon bimba. Lobi tangra na bimi awa. Fièvre katani, malade katani, nyonso ezongi normal. Alobi tile lozo mouna telemi awa, santé zongi normal. Ake na hôpital te, a telemi awa. Grâce ya Nzambe, ya Tayo Samuel. Ya mwaye gope sa Nzambe wana, merci. Dobete li Nzambe, maboko makasi. Notre frère vient dire merci à Dieu car il est bénéficiaire de la santé divine durant 5 ans dans sa vie. Depuis le jour où il avait foulé ses pieds au temple de signes et prodiges. Il dit dans sa famille, ils ont un bon qui leur permet de prendre des médicaments ou de se faire soigner gratuitement dans un centre de la place. Et lui, il était exempté de cela durant 5 ans. Malgré que le membre de sa famille y partait, mais lui était exempté. Et pour cela, il n'avait pas l'option de venir dire merci à Dieu devant l'ensemble de saints. Et durant le mois de janvier de cette année, subitement, il s'est retrouvé malade. Et il a beau tenter, y remédier par la médecine, mais il n'y avait pas de suite favorable. Jusqu'à ce qu'il a résolu en lui de venir dans l'un de nos cultes. En dépit de sa maladie, il était forcé, il est là, il était venu. Et quand il est arrivé en ces lieux, il y avait le service d'aspersion. Et l'homme de Dieu avait sorti encore de paroles, maudissant toute maladie en ces lieux. Et quand il était reparti chez lui, il s'était senti complètement soulagé. Voilà pourquoi il dit merci à Dieu. Deuxième témoignage, il y a frère Jackson Nezali. Il a 8 ans à Kiste. Dans le bon côté, à gauche. 8 ans. Kiste Nezali, 8 ans. Et si la kate Kiste, voilà. Mais les frères, ils ont fait sans ambassade au Samuel, merci. Il a dit, au côté de janvier, dans le mois de jugement. En plein culte,
l'homme de sa marche a sa la forte déclaration et a l'obito simba place tozo kapasi. Le frère Jackson a l'obi a simbi loboko ya kiste. Tant ou maître sa liba déclaration a silici, frère Jackson a l'obi tant ou na longo li loboko, li kolo loboko ya kiste. Kiste o ya 8 ans, mbala moko e disparaître. Le frère Jackson a dit, ah, moi j'ai bon bâti, moi j'ai bon côté, à écouter, moi j'ai mon nez, Zambé, Adao Samuel, ton bête Elisabe, voilà ma boko makas. Et pour son second témoignage, notre frère dit merci à Dieu, car durant 8 ans, jour après jour, il avait un kilt sur son poignet. Et ce n'est que dans l'un de nos kilts, quand il est venu l'homme de Dieu, sur ordre, il nous a demandé d'imposer les mains là où nous avions des maladies. Et notre frère avait agi en conséquence. Et après juste enlever sa main, il avait constaté que le kyste qui avait duré autrefois 8 ans était complètement disparu. Voilà pourquoi il revient pour dire merci à Dieu. Sœur Sarah Pemba, Samuel, merci pour la guérison surnaturelle. Alors, un mois d'écoulement, il y a règle. Chaque jour, il y a un mois d'écoulement. Un mois d'écoulement. La sœur Alobi a souffert. Quelle oppression. Mais, aïe, la nuit de jugement. Il y a un mois de février. La sœur Alobi a dit qu'il y a un qui déterminé. Tendengena niati makolo na nuit de jugement oyo ekuluma oyo emweso katana la sœur alobi pendant culte zoleka na moment service l'homme de sa marche a bimisi parole de connaissance alobi ezana ndeko mwa simo kwaza awa nazomona azana ba mayezo bimaye ya solo mais zambe na ngai abikisiye. Il y a le billet maya solo, il y a le bimate, il y a le makila, un mois écoulement. Il y a le billet à kangami malamoro na malo baby makiwana. Il y a le billet ngape na sa tache na yango. Ndegara moutouana malo baby ponaye. Ngaipe écoulement, oh ya un mois et katana. La sœur a yambi malo bawana. Il y a le billet après kaka parole le bimi, a zonga na nda kuboye, a vérifié écoulement ya makila. Il y a un mois. Et Katani alobi et Kauki Mobimba. Yangwate lebi awa eko temwane munene ya Zambe ya Dao Samuel. To bete li Zambe wana mabogo makasi. Beta mabogo makasi na milolo. Baksa milolo. Notre sœur dit merci à Dieu car durant un mois elle avait un écoulement bizarre. Et ce n'est que dans notre nuit de jugement qui s'était passée le vendredi. Elle était là dans la présence de Dieu avec son cas. Et l'homme de Dieu avait sorti une parole disant que tu es là, je te vois, tu as un écoulement bizarre et mon Dieu t'a guéri. Et notre sœur avait reçu cette parole avec foi. Et quand elle est repartie chez elle, cet écoulement avait complètement séché. Voilà pourquoi elle dit merci à Dieu. Nuit de jugement. Nuit de jugement. Zambada yo Samuel. Frère Nabiso Ekofo. Dominique, avec au père Zambé, Adao Samuel, merci pour la guérison surnaturelle. Frère Nabiso Lobi, Naliziba Awa, Azaligara, un mois et 2 semaines. Dernier Tima Konamso Naliziba. Ayakina Kut Nabiso Moko, Ayakina Kut Nabiso Moko, Ayakina Kut Nabiso Moko, Oyo, Mwana Mosakoli, Azalaki Awa, Isaac, Joua Liboso Ayaki, Akutana Kinaye. Mais le frère Alobi, malade si la qui était jour wana. Mais il y a des jours où ma connaît kotaki na liziba. Alobi aye na liziba ndenge nini? Parce que malade wana sa 5 ans a souffri na yango. Et Alobi malade wana e memie même ti na équateur na basan kusu. Parce que wari sango ba médecin moko ba yaki awo ya mindele bazo traiter malade ya misu wana bazo sili sa yango. Alors, ma médecin, on a basé na basan kusukuna na équateur. Le frère Alobi a payé billet à Keti na basan kusukuna pour avoir traitement. La ligne obéte l'anzamba de son bel maboko. Négo obéte maboko, ozo télé ma place au Fandi. Télé ma place au Fandi. Parce que ça témoignage n'a pas sa souka. Télé ma. Et Alobi, a ke na basan kusukuna traitement salami, mais ma longa te change mes athées.
ba pesi ba kisi ebele ayena ba kisi wana ona kishasa azomela ba kisi azopta na misu guérison ezate. Mais un jour à Koutanina Amina et Mogo azo expliqué ndenga azo souffrir na madame misu. Ce qui malade misu ale bandi et ça la kaye passi misu comme ka rouge mutu ezo beta ma ezo bima ya salité na misu na ye moya tambola na nzela ezate. Alors, tant que solo là, papa si koyo ya camarade na azo yebisaye. Ne papa wana ayana liziba. Azo yebisaye lobi, alobi na yebi nzambe moko kaka. Nzambe wana za makasi. Ke soko kei kuna na yebi ke nzambe wana kufizite yo. Aipongane na za awa, nasala ki trakatra ya maladi ya estoma. Trakatra. Ya maladi ya estoma. Alobi, tango na nyata yi. Nanata ma kona kata liziba estomac wana ya 34 ans et katanaki. Mais nandimi ke so yopo ke kuna oroza solution. Le frère a yambi témoignage wana yango ataki ma kona kata liziba. Mais alobi tangwa ye na nuit de jugement au mois de février. Na moment ya service na biso ya aspersion makila. Tangwa ba yosa la service ya makila li nanzena ba fils de prophète. Ayoki mungongo moko ezo lo ba na yeke zua makila wana tiana misu. Yepe azui makila apakoli na elongi na ye. Alobi tangu kaka na teka ka makila na misu. Ba. Alobi na bani konsanti ba chaleur makasi na misu. Apenaka ba chaleur wana. Alobi mbala moko douleur wana ya plus de 5 ans. Maladi ya misu ya plus de 5 ans. Ozo zwa changement te e katani mbala moko. Les frères Zongi n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai témoigné sur le téléphone. Van dans nos deux jours. Dans ta langue, ça la cause de salité. N'importe quoi témoigner. Les frères Zongi à l'ali vendredi, samedi, to la muki normal. Abimina moi, à ma case à Tamboli, normal. Aïe, na quitte le dimanche, normal. Ben, feignio sowana malade à misu katani malamoko. Yango telemi a eko témoigné munene ya zambe. Ya tayo Samuel beta maboko makasi. Na lingi otombo la maboko na yo biskosali.